Bonsoir les amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs, ça fait maintenant plusieurs mois. Ravi de vous retrouver la France, le peuple français, les gilets jaunes, les autres peuples, les autres gilets jaunes de tous les autres pays. Nous sommes dans le même bateau. Les amis, euh, alors je vais faire un débunkage, dé dé comme on dit. Euh, sur euh, une fake news ou en tout cas une manipulation évidente qui circule euh, en plus des deux fake news que euh, je vous avais euh, démontré au travers du reportage de Le Monde rappelez-vous il ben, y en a une troisième euh, et ça me permet euh, une bonne fois pour toutes euh, euh, justement de euh, vous alerter sur Independenza TV euh, sachant que voilà nous avons nous avons eu quelques quelques euh, épisodes ensemble euh, je vous en ai déjà parlé donc moi je l'ai connu sur YouTube au tout début des, du mouvement des Gilets jaunes et il défendait Mordicus, euh, Jacqueline Moreau et euh, le combat, le faux combat euh, donc contre les, la taxe sur l'essence. Il ouvrait donc son live sur YouTube à qui le veut pour intervenir. Il prenait plein de monde en même temps. Il laissait pas la parole et il virait euh, dès que vous ne lui convenez pas. Euh, donc j'ai essayé d'alerter sur Jacqueline Moreau, Lorsque j'ai dit que c'est quand même plus important de défendre euh, plein de causes sur tous les valeurs, etc. Donc euh, il m'a dit, il m'avait dit, il m'avait coupé la parole en me disant non, non, c'est se déplacer qui compte, on s'en fout du reste, moi ce que je veux. C'est juste vivre, juste me déplacer, je m'en fous, fous des autres sujets. Ensuite, il y avait quelqu'un, un intervenant, qui, donc qui, qui, qui parlait de sa vie, comme quoi il était avec sa femme, sa femme travaille, mais lui, il a arrêté de travailler, ils font de la permaculture, voilà, ils vivent bien. Et euh, bon bah, il, il, il a estimé donc euh, il se fait appeler Momo hein, de Independence TV. Il a estimé que euh, il devait le virer. Il, il lui a dit allez goulag je te vire. Alors à ce moment-là j'ai dit bah écoute euh, euh, vire moi aussi parce que j'ai pas envie de rester là. Et donc voilà c'était cet épisode-là. Ensuite bon bah on a eu des échanges mais on ne peut pas appeler ça échange, parce que à chaque fois que je voulais soit faire un live avec lui ou, ou discuter, à chaque fois il était occupé. donc, euh, euh, ce soir, bah, j'aimerais vous alerter parce que il est le premier, j'estime, euh, diffuseur de cette fake news dont je vous parle sur, euh, concernant notre-dame de paris. Euh, je trouve quil il véhicule très très bien euh, une certaine manipulation avec ce qu'il a fait. Euh, ce qu'on va faire, on va regarder euh, donc d'abord sur son Facebook, je précise que chaque trollage sera sanctionné par un blocage. voilà bon et euh... alors voilà bon bah merci les amis de liker mais ça va apparaître sur l'écran euh... alors voilà independenza c'est assez imprononçable independenza web tv donc euh, il a mis cette vidéo jeudi, je, je, vous en avais, je vous en avais parlé hier en vous disant qu'il fallait du temps, euh, donc voilà, dès hier déjà, euh, mon sujet il était, il était prêt. Euh, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il dit Notre-Dame, il y a une vidéo qui circule où on voit une personne sur le toit avant l'incendie, info ou intox pour recevoir les notifications, bien entendu il faut s'abonner. Momo Web, Web TV. Euh, je précise que c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dit. Qu'il est journaliste, hein. il est journaliste indépendant. Voilà. Alors là, regardez euh, le travail de journalisme. Hein. On va démarrer ici parce qu'après, il fait des répétitions à chaque fois qu'il voit du monde arriver, donc il reprend ce qu'il a, qu a dit. Vous voyez que euh, il est à plus de 600 likes, 2300 partages, et là je vous parle même pas des vues, euh, 119 000 vues. Euh, J'ai envie de dire comme euh, notre ami Alexandre le Breton avait dit concernant Juan, Juanito, Branco. Et comme je vous ai dit depuis le début concernant Jacqueline Moreau, euh, Priscilla Ludowski et d'autres, merci Babylone, merci Babylone pour les pour les l'exposition, les abonnements et les vues. On va regarder. Ouf Regardez, juste avant là. On dirait qu'il y a un petit truc. Regardez. Regardez bien. Attendez, juste avant. On dirait qu'il est en train de... Regardez, il y a un truc, une flamme, une étincelle, là, après. Oui, là, juste là, là juste là. Regardez, regardez bien, hein. regardez bien. Voilà. Vous avez vu Là, là Là, il allume un truc. C'est ouf, hein C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et après, voilà. La débandade. Qu'est-ce que vous en pensez C'est incroyable. Hein c'est incroyable. Et ça, personne n'en parle. Hein enfin, aucun média officiel n'en parle. Ouais, ça, c'est les caméras, vous voyez Ce genre de caméras, c'est les caméras de surveillance qui sont entreposées, euh, vous voyez. C'est genre... Euh, les webcams. Vous voyez, il y a des webcams des fois sur Paris où euh, ça filme tous les monuments pour que les gens du monde entier puissent voir. Et bien là, c'était une, une caméra comme ça. Vous voyez, de loin. Et regardez, voilà. Donc là, euh, les amis, euh, déjà, il y en a beaucoup qui lui disent le lien de la vidéo, s'il te plaît. Euh, il ne l'a pas mis dans les... Dans les commentaires, donc il, je sais pas, il a pensé se la garder pour lui, et euh, donc euh, j'ai arrêté. Vous voyez, je vais remettre play, donc je sais pas, euh, c'est pas moi qui va revenir en arrière, c'est lui qui va recommencer euh, le même, euh, la même vidéo et la même, sa même explication. Donc on va continuer. Et on va pas regarder toute sa vidéo hein, parce qu'elle fait euh, elle fait plus d'une demi-heure. Alors dès que... Euh, merci cher Luc. Dès que... Voilà. Allez, on continue. Donc il va refaire son explication, hein, même pour vous, que pour vous soyez convaincu de ce qu'il a euh, pratiqué. C'est ouf, hein C'est ouf, c'est ouf. Alors il y en a qui ont dit c'est une statue. Mais il y a des statues qui bougent maintenant <laughs> là, Il y a des statues qui bougent. T'as déjà vu des statues comme ça, regarde Des statues là C'est une statue Il bouge tout ça. T'as déjà vu des statues qui bougent elle <laughs> est sont ouf ah, Regarde, attends. On va voir la, la statue qui bouge. Il y en a, je sais pas qui a dit c'est une statue. Donc ça c'est une statue, ça ça là c'est une statue. Ah ça bouge bien pour une statue. Hein. Ça bouge bien. Hein. Ouais. C'est une statue possédée alors. Ouais, c'est dingue, hein. franchement c'est hallucinant. Si c'est vrai, c'est hallucinant. bien bon allons euh, chercher des informations donc sur euh, cette vidéo qui circule prenons par exemple <coughs> le check news de libération ce torchon hein, qui pour moi sur l'échelle des torchons euh, libération bien entendu figure parmi euh, dans le podium parmi les premières mais euh, c'est intéressant de voir les captures qu'ils ont donc d'où vient la vidéo montrant un flash de lumière sur le toit de Notre-Dame avant l'incendie une webcam du site euh, ViewSurf a filmé à 17h05 le 15 avril, une silhouette se déplaçait sur le toit de Notre-Dame de Paris pardon, et un flash de lumière. L'entreprise chargée des échafaudages indique que ses ouvriers étaient sur le toit jusqu'à 17h20. Là juste pour vous montrer qu'on parle bien du euh, même sujet. Euh. <coughs> Donc vous nous avez interpellé pour savoir d'où venait la vidéo et est-ce que c'est vrai. Euh, là on peut voir la vidéo mais pas celle sur laquelle s'est appuyée Independenza. Regardons là, c'est court. Donc vous remarquez que c'est le même flash qu'on voit sur la vidéo montrée par Independenza. Sauf que, alors je ne sais pas si vous avez compris là où je veux en venir, sauf que quand même c'est pas tout à fait les, on va dire, la même séquence. Alors revenons à Libération. Alors, donc, on nous dit que euh, ils ont vérifié et ça correspond bien à la date du 15 avril à 17h05. On nous explique que euh, ViewSurf est un site français qui propose des vues de webcam dans plusieurs villes de France et le service dispose d'une caméra qui filme la cathédrale Notre-Dame et publie une vidéo d'une minute à chaque heure Donc on nous explique que il euh, y a des vidéos à 14h05 15h05 16h05 et ainsi de suite Donc le, le ce site viewsurf ne donne pas plus donc tout le monde s'est appuyé sur euh, une minute et apparemment c'est cette minute là 17h05 d'accord alors qu'est ce qu'ils ont fait euh, libération c'est qu'ils ont pris les autres minutes 14h 15h 16h 18h 19h voilà ce que ça donne donc à 14h on voit on voit qu'il y a du monde hein. c'est normal hein. il y a un échafaudage il y a euh, cette entreprise là qui fait des travaux à 15 heures, il y a un gars ici. On en voit deux à 16 heures. On peut imaginer que c'est un gars, et euh, donc à 17 heures, c'est aussi un gars à 18 heures. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Donc vous voyez bien, il n'y a pas d'incendie. Et à 19h, il <coughs> y a l'incendie. Et donc euh, l'entreprise dit que les ouvriers ont quitté le toit à 17h20. Donc juste après euh, <coughs> cette séquence-là. Pourtant, à 18h05, il n'y avait toujours pas d'incendie que vous avez compris là où je veux en venir. Euh, donc leur théorie chez Libération, c'est bien entendu euh, la mienne, mais moi je fais, je vais encore plus loin parce que il y a eu manipulation de certaines personnes. Donc c'est bien entendu la mienne, c'est-à-dire que eux ils disent c'est euh, plus c'est l'explication de l'entreprise de travaux, c'est euh, des reflets de lumière, hein, ça peut être que ce soit des outillages, vous savez, une montre, euh, un téléphone portable s'ils sont autorisés à garder leur téléphone, un, un talkie-walkie. Vous euh, regardez comment le, le, on avait une forte luminosité et un grand soleil, donc c'est tout à fait plausible. Euh, à cette distance-là, ça m'étonnerait qu'on puisse voir la flamme d'un briquet. Hein je ne sais pas si vous avez déjà allumé une cigarette, les fumeurs savent de quoi je parle. Déjà, euh, sur une toiture, vous avez besoin de protéger la flamme. Même si vous n'allumez pas de cigarette, hein, vous avez besoin de protéger la flamme. Et c'est à une distance comme ça, même en agrandissant. Déjà, regardez, on n'arrive même pas à distinguer comment ils sont habillés, est-ce qu'ils portent un casque ou pas. Euh, donc, euh, voir une flamme, c'est pour moi, c'est théoriquement impossible. En tout cas, pas la flamme d'allumettes, de, de, de briquets, euh, même pas, parce que c'était un flash, donc c'était pas un chalumeau. Ils sont, tout le monde est parti euh, sur. Euh, quelque chose du type briquet ou allumette. à cette distance là, c'est tout simplement impossible. donc, le reflet pour moi euh, est la théorie euh, avec laquelle je suis à l'aise. et là, euh, allez, je donne un, un 90% à plus, à plus de 90% je laisse 10% de marge d'erreur. c'est un reflet. bon, continuons. Continuons, continuons. Euh, donc, euh, les vidéos que Momo a utilisées, et qui visiblement, on lui a, on a, on lui a demandé d'où tu sors ça, il a préféré se les garder. Je pense que là, il, il se les a vraiment, vraiment gardées parce que, regardez d'où ça provient. Euh, voilà, d'où elles proviennent. Alors, cette vidéo est tout à fait nouvelle. Il y a une heure qu'elle a été rajoutée. Regardez ce, ce profil YouTube plus que bizarre. Euh, alors, lorsqu'hier, bien entendu, j'ai travaillé sur ce profil, il y avait que ces, vid ces deux vidéos-là. Il avait cinq abonnés, d'accord. Sandro Rendim, on voit quelqu'un torse nu. Bon rien d'autre il n'y a rien d'autre hein. autre. les autres c'est des vidéos qu'il a likées hein, qu'il n'a pas il a pas fait lui même sur son site vidéo en ligne là il a il vient de rajouter cette vidéo on s'en fout mais il avait que les deux vidéos départ de l'incendie notre dame euh, notre dame et départ de l'incendie notre dame 2 et il avait cinq abonnés donc on a l'impression que c'est un, un youtube qui a été créé pour l'occasion D'accord euh, Donc cette vidéo hier, elle, les deux vidéos, elles étaient à peu près à 200 vues. Donc forcément, euh, si Independenza, qui lui fait des milliers de vues, vous avez vu, hein, avait donné le lien, il a préféré se le garder. Les gens ont besoin de vérifier. Euh, même aujourd'hui, après que moi-même j'ai vérifié, euh, elle devrait carburer ces deux vidéos. D'accord donc, bon, Notre-Dame 2, elle est quand même. Hein, enfin, c'est rien du tout. Hein, 400 vues par rapport au buzz que ça a fait, par rapport aux euh, Libérations et d'autres médias sont, se sont emparés de cette fake news, bien entendu, pour nous décrédibiliser comme d'habitude. C'est ça, le, le massacre, il est là. Et ici, on a 7000 vues qui est franchement pas grand-chose. Euh, donc continuons, allons voir ces vidéos. Donc... Coup d'œil, il n'y aurait pas bon, ok, il n'y a pas trop l'âge. Allez, donc euh, voilà Sandro Rendim, départ de l'incendie à la cathédrale de Notre-Dame, c'est comme ça qu'il l'a nommé. D'ailleurs, tiens, je vais lui mettre un pouce bas. Euh, donc, ici, il est arrivé à 7000, et hum, là, j'adore, il y a la signature. <laughs> de beaucoup de, de leaders imposés il faut voir le deuxième vidéo car aussi car en part en part il manque un T du vidéo original moi j'aurais mis de la vidéo originale le et ici la deuxième vidéo pas le deuxième ça craint ça craint gravement bon euh, alors c'est la vidéo qu'a utilisée Independenza, d'accord Sauf que Independenza, lorsqu'il a filmé son écran, il a triché un petit peu et il n'a pas donné le lien. Donc, euh, voilà. Vous avez tous vu euh, cet écran noir. Donc je vais démarrer là-dessus qui prouve que c'est bien la vidéo utilisée par Independenza. Regardez. Donc voilà, c'est cet écran, on l'a vu plusieurs fois défiler chez Independenza. Donc là, regardez très très bien elle est où l'arnaque intellectuelle de Independenza et d'autres Est-ce euh, que vous avez remarqué Donc Independenza a fait croire, et là c'était flagrant, non seulement il, est, il se dit journaliste, ça veut dire un journaliste, euh, ça veut dire quelqu'un qui est aguerri, qui a fait euh, en tout cas des études, qui sait faire ce que je suis en train de faire tous les jours, alors que moi-même, je, je ne suis pas journaliste, je n'ai jamais dit être journaliste, c'est-à-dire vérifier l'information, etc., etc. Bon, lui, non seulement il la vérifie pas, mais en plus, il la donne déformée, c'est-à-dire qu'il filme son écran. Il filme son écran, et il prend bien soin que, euh, comment dire, son téléphone ne prenne pas il l'a pris une fois, mais pas la deuxième fois. Ils ne prennent pas la totalité de l'image. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, lui, Independenza, il fait croire que suite à ce flash, on a boum, l'incendie qui part. Ce qui est totalement faux. Et une énorme, grosse, euh, forte manipulation. C'est juste. Euh, c'est juste dégueulasse quoi. Donc là, vous voyez, euh, déjà, la personne qui a mis en ligne euh, cette vidéo a effectué un collage sans faire de séparation. On peut faire un écran noir. Il a bien mis un écran noir ici. Pour mettre sa pub, je ne sais quoi. Non, pour écrire Again Slower. Euh, encore une fois, euh, au ralenti. Donc il sait mettre des écrans noirs. Il ne fait pas de séparation et euh, regardez, on passe de l'éclair et regardez ici en haut. Là, Independenza euh, s'est débrouillé pour ne pas voir la deuxième reprise, pour qu'on ne qu voit pas le, le, le bandeau en haut qui prouve qu'il y a un montage. Donc regardez, on passe. Du, euh, de ce, cette espèce de flash qui est encore une fois pour moi un reflet, hein, comme si on avait une explosion d'incendie. Regardez bien. Alors ça va vite, c'est que même moi. Alors regardez. Flash. Hop, et s'il n'y a pas donc. Euh, ce bandeau qui descend en haut, euh, ce serait encore plus difficile à voir. On pourrait croire que c'est vraiment dans les secondes ou les minutes qui ont suivi. Alors que je vous ai montré qu'il s'est passé euh, beaucoup de temps, plus d'une heure, entre les deux séquences, plus d'une heure. Donc voilà, arnaque, énorme arnaque. Donc du coup, euh, je n'ai... Même pas envie de chercher euh, qu'est-ce qui a brillé. À partir du moment où il y a une arnaque intellectuelle, il faut mettre à la poubelle. Et puis comme je vous ai expliqué, euh, ce profil YouTube, il est plus que douteux. Allez, on regarde une dernière fois. Voilà. L'arnaque. Pense vu, bah je pense que vous l'avez vu, je pense je vais dire, il faut être aveugle pour ne pas l'avoir, hein, cette malhonnêteté intellectuelle. Alors euh, revenant. Alors, revenons, euh, revenons d'abord ici. Regardez ce que ça donne. J'espère m'être arrêté euh, sur le bon moment. Alors ce que ça donne, vu et décrypté, et offert quand même 120 000 vues, hein. et offert par Momo. Allez, on va regarder Momo. Statue. Il y a des statues qui bougent maintenant. Il <laughs> y a des statues qui bougent. T'as déjà vu des statues comme ça, regarde. Des statues là. C'est une statue Il bouge tout ça T'as déjà vu des statues qui bougent elle <laughs> ils sont ouf ah, Regarde, attends, on va voir la, la statue qui bouge. Il y a, je sais pas qui a dit c'est une statue. Donc, ça, c'est une statue, ça Ça, là, c'est une statue Ah, ça bouge bien pour une statue, hein Ça bouge bien. Ouais. C'est une statue possédée, alors Je viens de découvrir pour le sang. Bon. Alors le temps que l'information vous parvienne comme quoi j'ai remis le sang, il faudra que je coupe euh, cette séquence pour euh, l'upload euh, YouTube. Donc sur YouTube, euh, vous n'aurez pas euh, cette coupure. Alors à partir de quand euh, Je me rappelle plus, à partir de quand j'ai mon micro coupé, je crois que c'est à partir de de sa vidéo et donc euh, je pense que vous avez compris tiens on le refait pour youtube je vous avais compris mon explication ou en tout cas le mot que j'ai dit je le refais pour couper ensuite pour que ça soit fluide sur youtube allez donc euh, là c'est euh, facebook de indépendance euh, alors je sais pas ce que je voulais faire ça et il a osé quand même mettre euh, désintoxication médiatique. Hein. Ça, euh, c'est ce qu'on appelle avoir du culot. Il a 30 000, 32 000 personnes qui aiment ça et surtout 40 000 personnes qui euh, suivent euh, ces superbes euh, informations euh, de désintoxication. Je disais donc, lorsque mon micro était coupé, nous nous battons tous les jours, les vrais dissidents, pour que vous quittiez, quittiez pardon, les merdias officiels manipulateurs. Ben, si c'est au final pour que vous tombiez dans de tels merdia euh, sur les réseaux sociaux, et on a tellement hein, independenza peut-être. Ne fait pas le pire de ce que on peut voir, hein. mais il y en a tellement, bah, c'est pas gagné. Hein. Va falloir. Et puis euh, j'avais dit, j'avais fini par dire, je pense aussi que, euh, comme dit euh, Alexandre le Breton, je pense aussi que merci, euh, merci Babylone, merci Babylone pour les abonnements et pour les vues. Quand on voit que une vidéo de Jacqueline Moreau fait 3 millions, 5 millions de vues alors que c'est une coquille vide, qui a des milliers de vidéos qui vraiment dénoncent, euh, vraiment, qui ne font que quelques dizaines de vues, dans le meilleur des cas, quelques centaines, on sait que Babylone est très active. Euh, alors. Pour finir donc sur la fake news quittant quittant independenza je pense que c'est réglé j'en ai assez dit revenons donc sur ce profil sandro rendim donc il dit il faut voir je vous lis comment il comment c'est écrit hein, je sais que c'est un massacre il faut voir le deuxième vidéo car aussi car on part sans le thé du vidéo original. Bon. Alors, on va exaucer ses voeux. Et voilà la deuxième vidéo. Alors, voilà la deuxième vidéo. Vous voyez, c'est toujours Sandro. Il a toujours 14 abonnés, il en a gagné quand même 9 depuis hier. Et donc là, c'est une vidéo qui n'est pas travaillée. Il ose, hein. là, c'est Je suis Gilet Jaune. C'est vraiment un massacre. Bon, je coupe parce que si ça se trouve, le sang va me censurer la vidéo. Je suis gilet jaune, Info gilet jaune présente. Et eh ben dis donc. Donc voilà la vidéo sans montage, sans zoom. Vous voyez que c'est extrêmement instable et extrêmement loin. D'accord il faut vraiment zoomer mais de là à voir la flamme d'un briquet faut, faut pas faut pas déconner non plus euh, donc euh, ce que je voulais vous montrer c'est qu'à la fin regardez à la fin ça se termine alors il nous précise je crois qu'à un moment il quand même il prend le soin de dire moi j'y suis pour rien j'ai juste euh, J'adore les gens qui, qui n'y sont pour rien. Là, il a zoomé. Bon. Alors, c'est pas grave. Voilà. Je voulais en venir ici. Donc, ici, il nous montre d'où est-ce qu'il a récupéré la vidéo. Et là, euh, les amis, alors, euh, je peux me tremper, mais si on, si on suit une logique de bon sens d'expérience on sait que les vidéos les photos euh, sont comment dire sont nommées en fonction de leur date par les appareils par entre guillemets l'intelligence artificielle de vos téléphones de vos appareils de vos ordinateurs euh, et ici c'est très troublant parce que vous voyez voilà le nom du fichier Paris 02 11 22 média et puis on voit une codification ils peuvent euh, certains appareils aussi codent la date ici ou l'heure ici on peut pas euh, distinguer clairement euh, une date euh, ni une heure mais en revanche ici regardez comment c'est codé Paris 02-11-22. Euh, alors si c'est en anglais, on pourrait lire le 22 novembre 2002. Euh, ça peut aussi euh, ne rien vouloir dire. Hein. Je précise bien que je voulais juste attirer votre attention sur cet élément. Euh, je ne dis rien de plus. Mais voilà, ce qui compte, c'est quand même l'explication que je vous ai donnée au départ sur cet élément-là que j'ai porté à votre connaissance. Alors on voit bien que les captures, elles sont faites du 18 avril. Hein. Mais c'est le, le nom du fichier qui est quand même un peu bizarre. Euh, donc voilà, euh, sur le fait euh, que euh, donc la vidéo, finalement, ne soit pas euh, du 15 avril, mais d'une autre date, euh, je suis à l'aise très faiblement parce que là, il pourrait juste y avoir un problème de comment dire, de paramétrage ou alors de de, de titrage de du titrage du, du site. Euh, en tout état de cause, euh, je vous ai donné cette information et je lui donne crédit faiblement. Donc pour moi, c'est ce que je dis, je suis à l'aise avec. ah, allez, à plus de 30%. ce qui est extrêmement faible, ça veut dire que je peux me tromper. À, 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 à environ 70%. voilà. je voulais juste en parler. alors, je pense que c'est pas mal pour ce soir. Là, ça fait quand même 47 minutes. J'ai plein d'autres infos à vous donner, les amis, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tant pis. Euh, alors, par contre, ça, j'aimerais en finir, vous montrer ça. Euh, parce qu'en plus, on est à la veille. Alors, où est-ce que j'ai mis ça Tiens, ici. Donc, euh, Drouet et euh, Co. Drouet et Co. Donc, on fait cette affiche dont je me suis allègrement moqué déjà. Et, et donc, euh, que... Vous avez remarqué que le système, par la voix de Castaner, se sent beaucoup appuyé sur les messages qui sont donnés dans cette affiche. C'est à croire que vu que ça traîne les gilets jaunes qui n'arrivent pas à débrancher, grâce à votre serviteur et à vous aussi hein, qui, qui sortez tous les samedis avec les gilets jaunes, vous aussi qui faites tout pour informer les autres comme moi, bah grâce à nous. Euh, ça dure, ça dure, ça dure ils n'arrivent ils arrivent pas en, à débrancher le mouvement et du coup ils savent plus quoi inventer comme nouveauté. Je me demande euh, après l'attentat de Strasbourg, la séance de boxing, les, la boulangerie qui explose, le chalet en feu et maintenant euh, la cathédrale euh, ce, cet énorme symbole français, et même euh, au-delà de la France euh, chrétien qui, euh, qui brûle, euh, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pendre euh, dans les prochains jours, et pour en tout cas pour le prochain acte 24, c'est-à-dire euh, samedi prochain. Euh, en tout état de cause, euh, comme euh, il s'appuie tout le temps sur ce qui déclarent les manifestants, les manifestations, c'est-à-dire euh, leurs copains, les, euh, les bénéficiaires de Babylone. Là, j'ai assez fait de vidéos comme ça pour savoir, pour que vous sachiez de qui je parle. Hein. Les Rodrigue, les Nicole, les Drouets, euh, les Sophiticiers qui déclarent les manifestations pour ensuite aller pleurnicher en disant euh, c'est pas normal, euh, le préfet n'est pas gentil. Voilà, ça fait un sacré monde Et, euh, et donc là, euh, apparemment, euh, le système et Castaner euh, n'a plus d'idée en, en tête. Donc, euh, il continue toujours dans la même euh, orchestration de dire ah oh là là, ils nous ont menacé de foutre le bazar. Alors là, on est obligé de mettre le paquet. Euh, les gens euh, ça va barder donc euh, si vous êtes des gens un minimum euh, intelligents euh, je serai vous je manifesterai pas parce que ça va ça va tirer hein, ça va barder il euh, y aura l'armée et tout le bazar donc voilà le message subliminal il est là les amis d'accord euh, et <laughs> et là où ça devient risible et ridicule. Alors moi je vous avais euh, j'avais pas pensé au pire, c'est-à-dire que j'ai lu acte 23, ultimatum, deux appels nationaux et internationaux. C'est pour ça que j'ai encadré. Ici j'ai barré parce que <laughs> n'allez pas comme ils veulent vous parquer euh, sur Paris ou en tout cas pas dans leur endroit à eux déclaré. Mais euh, on m'a fait remarquer que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'au final, on peut considérer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe parce que c'est un appel national et international. Déjà international, donc on se demande à qui. Hein. Euh, qui appelle-t-il euh, à ce qu'il demande un visa, euh, prenne l'avion et vienne les rejoindre sur le parcours euh, déclaré Bon. Ça... C'est du grand euh, Drouet Co. Euh, mais euh, voilà, le 2, en fait, il est collé ici à Ultimatum. Et là, c'est énorme. Parce que là, même ici, dans le hashtag, ils le mettent. Ultimatum 2. Et euh, Castaner, bien entendu. Castaner s'en est amusé lorsqu'il a le, la séquence que vous avez tous vue tourner en boucle sur PFM TV. S'en est amusé. Mais c'est ça c'est encore pire que euh, si le 2 il était plutôt de deux appels nationaux et internationaux. C'est pire parce que il, il, il va falloir que quelqu'un explique à Drouet et ses copains que euh, ce mot-là ultimatum signifie la fin de toutes les propositions et de toutes les discussions. Euh, va falloir que quelqu'un leur explique. Euh, ou alors ils sont en train d'inventer un nouveau lexique, et même pas français, parce que là c'est universel, hein. ultimatum ça vaut pour toutes les langues du monde, hein. c'est universel, hein. c'est d'après l'ultimatum il a plus euh, on ne donne plus euh, de, 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 de rendez-vous ou de chance de, de, de négociation, l'ultimatum c'est vraiment la fin de la fin, d'accord Donc a, ça n'existe pas. Eux, ils ont inventé qu'après l'ultimatum, eh bien il existe l'ultimatum 2. Mais apparemment, on peut imaginer qu'après l'ultimatum 2, il peut exister l'ultimatum 3. Et ainsi de suite. Enfin, C'est hallucinant. C'est comme si on, 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 on disait, par exemple, euh, quelqu'un est mort, et puis euh, on arrive deux semaines après en disant euh, quelqu'un est mort 2. Ou on peut aussi imaginer euh, un enfant. Un enfant est né et arrivé deux semaines après en disant et là encore là ce serait un peu plus intéressant en disant voilà c'est une renaissance cet enfant hop il a il, il naquit une deuxième fois peut-être re ultimatum mais même c'est quand une fois qu'il a ultimatum c'est terminé c'est c'est l'ultime L'ultime, c'est la fin. L'ultime, l'ultimatum. C'est pire que ce que je pensais. Allez les amis, je vais saluer les courageux qui sont encore là. Il est 1h10. Malheureusement, je ne peux pas vous voir sur YouTube. Euh... Et, bon, même sur Facebook, ça va être compliqué. Donc, je, je suis désolé, hein. Je regarde juste les derniers commentaires. Donc, Malek, euh, bonsoir. Bonsoir, comme d'habitude, Malek. Euh, du gros, Cédric, nous sommes d'accord. Tu dis, ces vidéos sont bidons. Euh, Ginette, euh, tu dis... Euh, oui, on en a parlé souvent avec toi, Ginette, hein. Quand il dit allez au gulag etc c'est vraiment très euh, agressif et irrespectueux. souvent c'est pas mérité quand il vire les gens comme ça donc tu dis indépendance ça Momo un but de sa personne c'est le moins qu'on puisse dire Joachim Geronimo mon ami toi aussi alors qu'est-ce que tu dis euh, Macron est censé parler jeudi prochain à 18h ils nous servent quoi pour annuler <laughs> ben, c'est ce que <laughs> effectivement tu vas moi tu te demandes de quoi euh, on sait qu'ils sont capables de tout hein, mais à quelle sauce ils vont nous manger donc il dit après vu ce qui a fuité le mouvement des gilets jaunes n'est pas prêt de s'arrêter enfin je l'espère bah, c'est sûr que là pour euh, s'arrêter après autant de dévidence les amis euh, de, 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 de toute leur comédie et là, vous pouvez revenir à tous les attentats que nous avons subis dans notre pays en passant par Charlie, euh, l'attentat de Nice, le Bataclan. Vous pouvez sortir de France et aller voir le 11 septembre et d'autres attentats. Comment pouvez-vous aujourd'hui, euh, si vous avez encore une fois manifesté précédemment, comment pouvez-vous aujourd'hui ne pas sortir samedi avec un gilet jaune C'est juste... Euh, Enfin, j'appelle je, je, à votre, euh, comment dire, même pas à votre intelligence ou votre humanité ou votre euh, esprit français. Non, j'appelle juste à je fais appel à votre bon sens. C'est du, du simple bon sens. Allez, Chagat Bouboule, bonsoir, je ne te connaissais pas. Tu dis tant mieux midi, on en a marre, on discute plus maintenant. On reste malgré tout dans les manifestations politiques hein, et pas autre chose. Euh, allez, bonne nuit les amis. Euh, je fais un dernier appel pour demain les amis. Vous mettez un gilet jaune et vous vivez normalement. Vous allez voir la famille, vous allez faire vos courses, allez faire les magasins, allez faire les. Euh, les supermarchés c'est ouvert demain allez faire les centres commerciaux n'allez pas à la confrontation c'est contre-productif vous allez nous nuire vous nuisez à vous-même plus que vous apportez à la cause vous vous nuisez à la cause n'allez pas montrer vos tranches devant les caméras n'allez pas leur donner d'interviews qui vont découper pour récupérer le morceau qui les intéresse ou alors au pire moi je vous donne un conseil dès qu'il y a Quelqu'un qui veut vous interviewer, dites la même phrase, ça sert à rien. Dites par exemple, faire respecter à la franc-maçonnerie la laïcité. Et puis la personne dit, ouais mais c'est bon, tu me l'as déjà dit. Alors parle-moi euh, de l'ISF, parle-moi du RIC. Et vous répétez. C'est la seule manière pour, pour échapper à, la, à leur manipulation. Vous répétez, faire respecter la laïcité à la franc-maçonnerie. D'autres personnes peuvent choisir d'autres phrases. Euh, dénoncer la paix de criminalité dans ce pays, euh, la paix de criminalité des élites. Euh, D'autres personnes peuvent dire euh, dénoncer le, le, la corruption totale de la magistrature. Voilà, ça sert à rien. Ne rentrez pas dans un discours avec eux, vous vous perdrez à ce jeu-là, parce que c'est eux qui coupent, c'est eux qui font les montages. Alors, mis à part ça, n'allez pas dans les cir circuits déclarés dans les circuits officiels, dans les circuits BFM, dans les circuits euh, Ultimatum, dans les circuits Drouet, dans les circuits Ramous et que sais-je. N'allez pas, euh, les circuits Castaner. Euh, N'allez pas là-dedans, les amis. Enfin, je veux dire, ça va, je pense que ça ça dure maintenant depuis 5 euh, mois. Euh, vous avez compris la comédie, hein bon, C'est une éternelle répétition. N'allez pas là-dedans. Laissez-les euh, mettre leurs images en direct sur les, les chaînes de désinformation, mais euh, vous euh, restez euh, dans votre vie habituelle, allez sur le rond-point le plus proche de chez vous, allez faire vos courses, allez voir de la famille, mais tout simplement, en plus, mettez le gilet jaune par-dessus vos vêtements. Ils sont assez larges, les gilets jaunes. Hein. Franchement, ça rentre facile. Hein. Ils sont larges. Mettez le gilet jaune et vivez votre journée. Ce n'est pas interdit de porter un gilet jaune. Et bien entendu, un autre gilet jaune, euh, bien visible du pare-brise, s'il ne s'est pas encore fait. D'accord Moi, depuis que je l'ai posé, le gilet jaune, donc, sur le pare-brise, euh, j'ai plusieurs gilets jaunes. Hein. Et, il n'a jamais bougé hein, dans, dans ma bagnole. Il n'a jamais bougé. Bon, le, deuxième, le troisième, je ne sais pas où est -ce il est, mais là, j'ai un deuxième sur moi et j'ai encore un troisième. Donc, vivez normalement. Si jamais vous voyez par exemple un cordon de CRS ou si jamais vous voyez une patrouille de trois policiers admettant qu'ils vous disent euh, Allez monsieur ou madame, allez sur le trottoir, vous passez pas par ici, allez faites demi-tour. Vous faites demi-tour, vous partez sur le trottoir, vous dégagez de, de, de ce coin-là, vous faites cent mètres. Et vous continuez à faire ce que vous avez prévu de faire. Vous sortez votre pancarte, vous chantez, voilà, ou vous changez de magasin, vous allez. Mais c'est du bon sens, les amis. Il ne faut pas faire autre chose. Ils sont emmerdés de voir du jeûne tous les samedis. Mais nous voulons mettre du jeûne tous les samedis pour continuer notre révolution. Avec les beaux jours, les actions vont s'améliorer. Mais là, il s'agit juste de montrer du jaune partout. Lorsque euh, euh, filmez-vous, d'autres vous filmeront. Les personnes qui n'auront pas mis du jaune, ni dans leur bagnole, ni sur eux-mêmes, ils vont passer, ils vont vous voir tous mettre du jaune. À un certain moment, c'est eux qui se retrouveront exclus. Donc, ils finiront par le mettre, le gilet. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en prenez pas à eux. S'ils viennent en demandant de l'information, pourquoi vous faites ça, comment il faut faire, etc. Vous leur expliquez, mais ne les arrêtez pas, ne les bloquez pas, ne les interpellez pas, ne les invectivez pas. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais si vous en avez assez à le mettre, les Gilets jaunes, forcément, les derniers, croyez-moi, ils ne pourront pas rester longtemps à ne pas le mettre. Voilà. Allez, les amis, merci Chagat. Euh, tu dis j'ai raison, merci Malek. Bonne nuit, Ginette. Bonne nuit, Joachim. Bonne nuit, et tous les autres. Je suis désolé, j'ai perdu tous les commentaires. De euh, toute façon, après je vais dans les commentaires. Je vous mets un petit like sur le commentaire. Merci à tout le monde pour votre fidélité, pour votre soutien. Voilà la vidéo. Elle fait 1 h minutes. Euh, en plus, je vais couper la séquence. Il n'y avait pas le micro. Il est 1h18, on se retrouve donc ce soir, samedi acte 23, euh, pour le live habituel les amis. J'avais prévu, parce qu'aujourd'hui je suis parti courir avec euh, mon chien, je l'ai filmé, j'avais prévu de diffuser la vidéo, mais là c'est impossible. Donc je vous la diffuse demain en différé. Je vous souhaite une bonne nuit et à ce soir mes chers amis pour le live. Sortez pour l'acte 23. Montrez le jeune. Il est temps, les amis. Ça sera certainement notre dernière chance, cette révolution. Réfléchissez-y. Réfléchissez à vos enfants, à vos petits-enfants et à toutes les autres générations qui vont se succéder sur Terre. Allez, à ce soir, les amis.